Et salut à tous, c'est Multigame57, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est sur Assassin's Creed 3. Et oui, on va démarrer l'Assassin's Creed du coup sur ma chaîne. On va aller en solo. Bon, j'avais déjà lancé une carrière une autre fois, mais ça n'a pas marché, donc là on va appeler allez, YouTube, l'originalité, hein, pour se repérer. On va confirmer. D'habitude, les gens qui et là, on va laisser la cinématique et je reviens après. On se moque d'eux. Parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement, par l'enlèvement de Desmond Miles, mon fils. Ce garçon manquait d'ambition, il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Éden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité, celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries, mais elle cache nos véritables ennemis, les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires, et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois, car je connais la vérité. C'est là toute la beauté et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres. Qui offre la possibilité de tout changer, de nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création, seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice, de libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. À Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. On est toujours là, on est comme... C'est elles qui nous ont guidés, à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant, une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené. Et nous, avec lui, il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio, il tient à la main la pomme d'Éden. Et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider, si nous en sommes capables. Il s'appelle... Desmond Miles. Et il nous a conduits jusqu'à la fin. Bon, c'est bien une bonne mise en situation, c'est bien. Surtout que comme j'ai pas les jeux d'avant, donc c'est bien. Je crois que je dois avoir le 1 qui traîne quelque part, mais faudrait que je le reprenne. Donc ouais. Du coup les autres je les ai pas. Allez, ça va être parti. Une magnifique grotte là. Allons-y. Ok, c'est parti. Bon, il faut rentrer dans la grotte. Alors que je vois rien. Ok, je ne vois rien. Bon, si là je vois quelque chose, quand même, j'espère dans la vidéo on verra quelque chose. Oh, c'est beau. C'est très beau. Voilà. Hop.
Que fais-tu? Ah d'accord. Ça ouvre la porte. Magnifique porte là. Un instant après, Alice au pays des merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrier. Sans songer une seule seconde, comment elle en sortir? Il est déjà marrant, lui, j'aime bien. Ok, c'est parti. Toujours pas courir, on est obligé de continuer à marcher pour l'instant. Bon, où faut-il aller? Bah, je vais les suivre, je suis pas con. Ah, d'accord, il faut que j'aille juste à la porte. Encore une fois la même chose. Ah non, là c'est plus rapide, elle se directement au contact. C'est comme le paiement, c'est du paiement sans contact. C'est ouverture sans contact. Ouverture à distance. Le petit télépéage, le truc. Oh là ! Ah oui, d'accord. Ok, ramasse ton truc. Ah, tu vas pas le ramasser, bon bah tant pis pour toi. Hein. Non, je ne peux pas courir. Si je peux courir, j'ai oublié cette touche. Attends, tes copains, ils sont pas encore là. Quel est cet objet qui traîne par terre? Ça gueule chez moi, je suis désolé. Hein. Waouh, c'est magnifique. Et c'est reparti. Ouf. Tu nous entends? Oui, oui. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Le temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es rentré dans un état d'amnésie. Alors, bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus. Mais, je sais pas, moi. Vous assurez que j'allais bien? Tu ne courais aucun danger. En plus, le temple a l'air de communiquer avec toi, et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'ils veulent. Ouais, tu vois le genre. Fils, je... Non, non, c'est bon, j'ai compris. Et je sais ce que je cherche, en fait. C'est une clé. Mais je sais pas où elle est. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle doit aller contre la lumière. C'est Junon. C'est elle qui me parle. Voilà, ça va commencer. D'accord, Desmond. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'Animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de lépin. D'accord. Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Facile pour l'instant. Très bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. Ouais, bon, facile quoi. C'est bon. Pas non plus hyper compliqué quoi. Je rappelle quand même que voilà, on est dans Assassin's Creed. Hein, donc voilà. Magnifique, bien joué. Non, là. Allez, c'est parti là. Allez, hop.
C'est par là. Hop là, monte. Vas-y, monte. Traverse ce petit parcours d'obstacles, pas de course. Mais bon, c'est pas compliqué, quoi. Hop. Pas très très compliqué, ça. Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Si c'est nécessaire. Bien, suis les instructions à l'écran et tue les deux Templiers. MX, pardon. Dommage, j'ai pas fait l'assassinat de l'autre côté. Mais j'en ai fait quand même un, c'est déjà l'objectif accompli. Ah mince. C'est bon, c'est passé quand même. Je sais pas, non là je crois que je me suis paumé. Voilà, meurs. Non, c'était là. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas, désolé. Là je me foire, hein. Là je me foire comme une merde. Non mais, t'es con? Alors, là. Non, mais. Qui est débile celui-là. Je peux pas me foirer au début du jeu, quoi. Oh, cadre-toi. Voilà, c'est bien, bravo. C'est très fort. Et là maintenant, comme ça, là. Ouais, bon, on va dire que c'est bon, on va dire que c'est ça. Mais qui est con. Je t'ai dit, tu vas là. Voilà, course libre, c'est bien monsieur. T'as apprécié quelque chose. Enfin. Ok, ça c'est bon. Ça c'est fait. Pense de révision. On devrait pouvoir reconstruire l'univers. On va enfin savoir ce que ce temple attend de toi. Alors, où dois-je aller? Voir progression. Non, c'est bon. C'est bon, je suis content. J'ai réussi. Oui, je dois aller par là. Pardon, ah non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Je vois l'objectif sur la carte, donc c'est par là. Le problème, c'est que je ne peux pas courir, bien sûr. Tout va bien, ça? Oui, tout va bien. Tout va bien. Je réfléchissais, rien de plus. Pas de problème. Notre invitation. Master Birch vous rejoindra à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vous aurez terminé? Juste devant l'opéra. Et ne traîne pas. Je ne compte pas rester ici très longtemps. Je m'y rends. D'accord. Pas de problème. Moi j'y vais en attendant. Allez, salut. B. Votre invitation. Puis-je prendre votre manteau, monsieur? Non. C'est bon, pas besoin, t'inquiète pas. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir prendre place. Trouvons notre siège. Bonsoir, monsieur. Par ici, oui. Laissez-moi passer, je vous en supplie. Mes excuses, excusez-moi. Voilà. Allez, on va regarder un petit théâtre. Bonsoir, Ethan. Voilà, j'étais sûr. Reginald. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux qu'on rejoue cette œuvre, que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vue? Une fois. Mon père m'a emmené la voir. Mais je ne m'en souviens guère. Et je suppose que je n'aurai pas le loisir d'en profiter pleinement ce soir. Non, j'en ai bien peur. Ne perdons pas de temps. Le vois-tu? Il faut voir quelqu'un. Alors, vision d'aigle. Voilà. Cible d'or. Ah, lui, c'est une cible. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie.
Bah très bien, que vais-je faire? Ça fait le plus chaleur, c'est magnifique. Une fois je me lève. Excusez-moi. Non, reste assis, j'ai pas envie de te voir, reste assis, petite merde. Là, techniquement, je devrais me faire voir. Si personne ne me voit là, c'est que les gens sont vraiment débiles. Si la personne ne me voit, c'est qu'il y a un problème. Quoi. Je sais qu'il fait noir, mais quand même. Donc je passe devant les gens sans qu'ils me voient. Il n'y a aucun problème. Vraiment aucun problème. Mec. Vraiment aucun problème du tout. Je ne me vois pas. C'est un petit peu con quand même de ne pas me voir. Voilà. Monte, non. Oula, sa gueule chez moi, je suis désolé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est écrit chez moi d'un seul coup. Mais bon, moi j'ai l'habitude, hein. Je sais que non, voilà, dans une zone, ça fait pas que vous avez peut-être pas l'habitude, vous, mais. Bon, malheureusement, j'ai l'habitude. Hein. Ok, donc là, il faut crocheter. Voilà, c'est bon. Ça fait du premier coup. J'ai crocheté une serrure du premier coup. Magnifique. Je vais ouvrir la scène. Oula. Descends. C'est bon, descends. Calme, descends. Je passe derrière, quand même, derrière tout le monde, vers la scène, quand même personne ne me voit. Ceux qui sont devant, techniquement, pourraient me voir, mais non, personne ne me voit. Faut le faire. Je suis fort. Ok, c'est là. Ah, voilà mon ami. Je sais pas ce qui se passe. Que se passe-t-il? Il n'y a personne. Tu aurais dû venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui. Mais vous auriez tout compris. Sachez que j'en suis navré. Oui. Je vais le tuer. Adieu. Oh merde. Chut, tu dis rien, tu ne m'as pas vu. Je n'existe pas, tu ne m'as pas vu, je ne suis pas là. Conseil, barre-toi. Et elles vont voir notre copain là? Ah, ça crie. Ils l'ont trouvé. Oh là là, un homme a été tué, mais on se demande qui l'a tué. Dégage toi. 22 mètres, 30 mètres. Il y a un tueur par ici, je ne veux pas prendre de risques. Dégagez. Vous êtes sur mon chemin, dégagez. Dégagez, vous êtes sur mon chemin. Dégagez. C'est ce que je viens de leur dire en fait. T'as compris? Imbécile, c'est ça. Moi je me barre quand même tranquillement. Mais non, je n'ai rien fait, ce n'est pas moi. Ils arrêtent tous les autres sauf moi. Donc pendant ce temps je pars, tranquille.
c'est parti. Ça va être la sortie. Là, ça gueule chez moi, c'est parfait. Encore une fois, à chaque fois dans mes vidéos, de toute façon, en ce moment. J'aime bien gueuler, tu vois, en ce moment, c'est magnifique. Rentrons, s'il vous plaît. Et comment est-il opéra ? Il était plutôt ennuyeux. Il était ennuyeux. Oh mince. C'est con. Souhaitez-vous que nous y allions ? Oui. Fleet et Bride. À votre service. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera? Peut-être savoir. Peut-être une arme, ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. Et en fait, il s'agira. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Pour nos ennemis, s'ils devaient nous défoncer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle. Ah, monsieur Harrison. Messieurs. Qu'ont donc révélé vos calculs ? Je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Si j'avais pu être précis... Ce n'est rien. Cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de 5 sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'ancre à l'aube. Pas de problème. Bon voyage, dame. Fais honneur à notre ordre. Oh bah c'est parfait tout ça, c'est très bien, mission accomplie, voire progression si vous voulez. Bah c'est parfait tout ça, dis donc. Il reste une mission dans la séquence 1, si je me comprends bien. Là je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Bon, je pense que c'est très bien, on va sauvegarder puis on va arrêter cette vidéo ici. Ça serait bien. Ah, pour l'instant ça charge là-bas. Avec cette petite cinématique du coup. L'air du large me fera du bien. Bon bah écoutez, je pense que tout ça on fera dans la prochaine vidéo. Alors sauvegarder, si vous sauvegardez. Sauvegarder. Bon, bah moi je pense que de toute façon je vais reprendre plus tard. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Et si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et surtout abonnez-vous. Allez, salut.